chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14 au verset 22. Ensuite, on lira Jean chapitre 15, verset 4, verset 6. Nous commençons par Luc chapitre 4, 14 à 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Nous allons dans Jean. Jean 15, 4 à 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous avons lu ta parole parce que nous sommes allés à l'école, mais quand tu as donné le contexte du texte, il faut le Saint-Esprit lui-même. Alors, d'elle le faire pour nous ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai un petit sujet que je voudrais partager avec vous. Juste un petit sujet. On va lire quelques citations, commenter un peu et je vais vous libérer. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de la quatrième Bible. Mon sujet ce matin, c'est la quatrième Bible. Alors, quelqu'un va se demander, oh, quatrième Bible, là, ça sort encore d'où? On va voir avec, on va mettre les lunettes branhamiques. Donc, on va porter ça, ça va nous permettre de voir ce qui est dit entre les lignes, ce qui est dit sur les lignes, quoi. Alors, Frère Branham, je vais commencer par lire, Frère Branham, dans le message. Avant de lire déjà ces quelques citations que j'aimerais lire, je voudrais citer quelques-unes que vous connaissez certainement parce que vous êtes des lecteurs du message. Frère Branham nous dit que la Bible, c'est Christ. Frère Branham nous dit que la Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Il dit, vous devez apprendre à vos enfants à ne rien poser sur la Bible. Et il dit, un vrai chrétien, dans la communion en 1962, je crois partir paragraphe 58 ou 59, il dit, un vrai chrétien, un vrai de vrai, il lit sa Bible tous les jours, il étudie aussi, il ne fait pas que lire, mais il étudie tous les jours. Il dit, dans un bon foyer chrétien, on doit lire la Bible 2 à 3 fois par jour. Amen. Vous savez, Frère Branham, quand il sortait, le soir il rentrait, il posait les questions à ses enfants. Il lit c'est qui? Oh, il a fait quoi? Il posait des questions. Donc, Et Frère Branham nous dit que les mamans sont le cinquième évangile. Elles sont les pasteurs à la maison. Donc quand papa n'est pas là, maman est censée éduquer les enfants et leur montrer le droit chemin. Et il nous dit que Susanna Wesley était une maman qui avait 17 enfants, mais elle avait 17 enfants et elle vivait dans une époque où il n'y avait pas
des machines modernes, les machines à laver et toutes ces choses, les moulinex que les mamans utilisent aujourd'hui, mais elles pouvaient trouver 3 bonnes heures par jour pour se consacrer à Dieu. Donc nous croyons que, en tant que les citoyens du royaume de Jésus, c'est ce que nous devons aussi faire. Amen. Donc nous devons être des personnes consacrées. Frère Manam nous dit que la Bible, c'est le livre de l'Orient aussi. Il dit que la Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Il dit que la Bible, c'est un livre prophétique. Et il dit que dans sa structure, c'est un livre mathématique aussi. Et il nous dit qu'il y a 3 manières de comprendre Dieu. On comprend Dieu, il dit on comprend Dieu mathématiquement. Il dit on comprend Dieu spirituellement. On comprend aussi Dieu géographiquement. Donc on doit connaître la situation géographique. Là où la colonne de feu se met, là où Dieu agit présentement. Parce que quand Jésus était sur la terre, lui, le Fils de l'homme, il ne fallait pas aller chercher le Fils de l'homme, je ne sais pas quoi, au sud, ou en Europe, ou au nord, ou encore à l'ouest. Il y avait une situation géographique bien déterminée. Et même là où il devait naître. Aujourd'hui aussi, la Bible nous a dit que de même l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. Donc Dieu nous a montré la situation géographique, là où il devait accomplir les grandes promesses d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à ça? Ton amen ce matin va m'encourager à prêcher. Frère Vanam dit dans nos églises, les amens sont gratuits. Donc tu n'as pas besoin de débourser un sou ce matin pour dire amen. Alors si je dis ce que dit la parole, tu me donnes un amen, ça va m'encourager à prêcher. Je voudrais te dire que même l'amen seulement, tu peux sortir ici, rien que l'amen que tu dis là, la maladie part. Je voudrais te rappeler que l'amen, là, un amen peut te rendre multimillionnaire. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Je connais une femme hein, dans cet âge ici. Pendant que le prophète de Dieu était en train de prêcher sur les expériences surnaturelles qu'il avait eues avec Dieu dans les bois. Il dit, j'avais besoin d'écureuils. Et je n'en avais pas. Là où il était, il n'y avait pas d'écureuils. Et les écureuils ne se trouvaient pas à cet endroit. Dieu lui a dit, mais toi tu enseignes ici. Alors prononce la parole. Combien tu en veux? Il dit 3. Il a prononcé la parole et il a tiré sur les écureuils. Mais quand il a donné le témoignage à l'église, même le diacre Tony Isabelle, il n'a pas voulu croire. Pourtant, le diacre doit croire la doctrine du pasteur à 100%. Le diacre, c'est quelqu'un qui boit le pasteur à 100%. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc le diacre a dit que non, pasteur, frère Branham, toi aussi, tu sais que, pasteur Bateta, il y a quand tu dis que tu as prié pour quelqu'un là, il avait le mal d'estomac, il avait le palu et toutes ces choses-là, il avait besoin d'argent. Mais là, on peut encore comprendre. Tu dis que non, là, tu as crié. Ah, non, pasteur, il ne faut pas quand même aussi exagérer. Nous aussi, on est quand même allé à l'école. Ça n'a rien à voir avec l'école ici. Nous avons la parole créatrice. Nous sommes des dieux. Frère Madame dit, la même puissance qui a amené le monde à l'existence, elle se trouve en vous sous la forme du Saint-Esprit. Il dit, vous avez la capacité de vous ressusciter vous-même. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen à ça? Alors le diacre a douté. Mais comme notre Dieu ne manque jamais de témoins, il y avait une sœur à l'église, la plus démunie. Elle a dit amen à la parole. Elle n'a pas donné les amens que les chrétiens donnent aujourd'hui. Donc comme la parole passe là, tu dis un amen là-haut comme ça concerne tel frère. Tu dis tu as entendu, voilà, ça te concerne toi. Elle n'a pas donné cette sorte d'amen là. Elle a donné un amen qui venait du fond de son âme. Elle dit c'est l'exacte vérité. Frère, la divinité se réjouit dans le cœur du prophète. Dieu dit, dis-lui de demander ce qu'elle veut. Même si tu veux une chambre remplie d'argent, ah, tu demandes seulement, tu dis seulement. Frère, le Dieu là, il n'a pas changé. Hein? Ça ne se passe pas seulement avec frère Branham. Oh, tu me regardes drôlement. Mais il n'y a pas que frère Branham qui est Dieu. Toi aussi, tu es Dieu. Frère Branham dit dans l'amnésie spirituelle que la divinité, la plénitude de la divinité habite en chacun d'entre vous. Dites amen à ça. C'est la parole, on n'invente pas, c'est écrit. Alors moi, je t'ai dit que je m'appelle le souligneur. Tout ce que tu vas entendre sortir de ma bouche, je peux te donner la citation pour ça. Donc ne t'en fais pas pour l'autre là. Et quand on est missionnaire, il faut savoir sur quoi on se tient. Donc quand on parle, tu dois être capable de prouver ce que tu dis. Amen. Donc, quand la sœur a dit ça, Dieu a aimé. Il dit, tu peux demander tout ce que tu veux. Elle a dit, bon, moi je demande le salut de mes 2 enfants. Frère Branham dit, c'était la meilleure des choses qu'elle a demandé. C'était quelque chose de bien. Mais ça, c'est à titre de 1960.
Moi, j'ai l'habitude de dire, moi, je ne suis pas, nous, les attis de 2024, là. Nous, on ne met pas les points. Parce que Ati souffrait. Manger, c'était difficile. Elle avait des problèmes. Oh, tu vas demander le salut de tes enfants, c'est une bonne chose. Mais maintenant, quand il faut payer le loyer, là, tu fais comment? Oh, tu vas aller voir le... Quand le bailleur va venir, tu vas dire au bailleur, oh non, tu connais les sept sceaux. Oh non, moi j'ai le Saint-Esprit. Avec ton Saint-Esprit, on va te mettre dans la cellule. Parce que tu n'as pas payé le loyer. Nous, les attirés 2024, là. Salut de mes deux enfants, virgule. Ah. Là, tu comprends les choses, là, mon frère. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, virgule? Dis à ton voisin, il faut toujours mettre la virgule. Ah, il ne faut pas mettre le point. Les chrétiens aujourd'hui aiment toujours demander les petites choses à Dieu. Frère Branham dit que le ciel regorge de tellement de bénédictions. Elles n'ont même pas encore été effleurées. Donc, ce n'est même pas encore gratté. Il dit même si vous vivez 10 millions d'années sur la terre, vous ne saurez épuiser les richesses que Dieu a en réserve. Amen. Je veux le salut de mes enfants, virgule. Moi, je vais être le plus grand homme d'affaires de Brazzaville. J'ai toujours aimé, je vais être un PDG, virgule. Je vais faire les plus grandes écoles du Congo-Brazzaville, virgule. Moi, je serai fonctionnaire international. Je vais acheter ma parcelle cette année. Je vais construire un duplex. J'aime les grosses voitures américaines, là, les Sequoia, là. C'est virgule après virgule. On n'en met pas le point. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour ça? Nous croyons à cette sorte de Dieu-là. Il est capable de nous donner ce que papa ne peut nous donner. Il est capable de nous donner ce que l'école n'a pu nous donner. Même là où il n'y a pas de chemin, Jésus est capable de frayer le chemin. Frère Branham dit, quand vous n'avez pas les moyens, il dit, Jésus est le moyen. Tu n'as pas besoin de chercher d'abord les moyens. Ce que tu as besoin de chercher premièrement, c'est le moyen. Quand tu as le moyen qui est Jésus, les moyens vont s'en suivre. Même si tu es face à la mer Rouge, notre Dieu est capable de frayer un chemin. Un jour, il a frayé un chemin. Pendant que les enfants hébreux étaient coincés, l'armée de Pharaon derrière eux, les montagnes de l'autre côté, une mer infranchissable de l'autre côté, il n'y avait pas de chaloupe. Dieu aime souvent nous conduire dans des situations compliquées pour montrer qu'il est Dieu. Frère Branham dit, notre Dieu répond aux urgences et aux circonstances. Quand il y a urgence, il a la solution. Il a toujours la solution à chaque chose. Pour la première fois, pendant que l'église était en train de se lamenter, Moïse a prononcé la parole, lui aussi pleurait. Dieu dit, mais regarde-moi quelqu'un comme ça. Un citoyen du royaume, j'ai fait de toi Dieu, et tu es là en train de pleurer. Donc tu ignores qui tu es. Prononce-moi la parole. Prononce la parole. Moïse, peut-être qu'il a prononcé la parole en pleurant. Mais il a dit, aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez là, le chômage qui t'a traumatisé là, les mauvais sorts là, les mauvaises paroles, les célibats qui t'ont traumatisé, toutes ces choses là, à compter d'aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Tu peux dire au revoir au chômage aujourd'hui. Tu peux dire au revoir au célibat aujourd'hui. Tu peux dire au revoir à la maladie. Tu dis, maladie, toi et moi, on n'a rien à voir ensemble. Laisse-moi tranquille. Je suis un citoyen. Un citoyen du royaume messianique. Tu n'as aucun droit légal dans ma vie. Quand Moïse a prononcé la parole, comment ça allait arriver, ce n'était pas son problème. Ton problème n'est pas de savoir comment ça va arriver. Frère Branham dit, ça c'est le secret de Dieu. Ça ne nous concerne pas. Notre problème c'est de prononcer la parole. Et quand Moïse a levé le bâton, il a prononcé la parole, Dieu a provoqué un vent d'Orient. Le vent est sorti de l'Orient. Ça a commencé à souffler très fort. Et je sais qu'aussi ici ce matin, parmi le rassemblement des étoiles du matin, les fils de Dieu, il y a un vent qui souffle ici. Il y a un ange présent dans cette salle.
Le même vent est en train de souffler ce matin. Nous nous appelons non seulement le vent d'Orient, mais avec le vent de l'Ouest. Que les deux vents soufflent ensemble. Parce que l'alpha est devenu l'oméga aujourd'hui. Quand les deux soufflent, peu importe l'obstacle, toi tu vas passer. Alors ce matin, tu es capable de passer. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu le crois, acclame Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es venu, je ne sais pas quelles sont tes attentes. Quel est ton problème? Tu rentres ici sans problème ce matin. Oh frère, vous savez, s'il y a une chose que moi j'ai dite à Dieu, c'est que tu connais là où moi je suis sorti. Donc si tu m'as appelé à prêcher l'évangile, si je ne vois pas les résultats, moi j'abandonne ça. Parce que moi je n'ai même pas d'abord voulu faire prêcher l'évangile. Donc on n'est pas là pour bavarder, on est là pour dire des choses évidentes. Je suis en train de dire ce matin que tu ne rentres pas sans avec les problèmes. Je m'en fous de ton problème. Je n'ai pas besoin de savoir quel est ton problème. C'est que je sais que j'ai l'autorité sur ton problème. Jésus nous a investi de tout son pouvoir. Je vais dire quelque chose qui va sembler bizarre à quelqu'un, mais comme je sais que vous avez les bons disques durs là, n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le Jésus imaginaire que les gens pensent à servir là, il n'a pas de pouvoir. Jésus n'a plus de pouvoir. L'homme qui a le pouvoir, c'est toi et c'est moi. Il dit tout ce que le Père avait, il me l'a. Et tout ce que moi j'avais, j'ai fait comment? Il a donné à qui? À l'église. L'église, c'est le bâtiment aussi. L'église, c'est qui? S'il nous a donné tout ce qu'il avait, est-ce qu'il a encore quelque chose? Frère Branham dit que nous sommes la force terrestre de Dieu. Nous sommes le gouvernement de Dieu sur la terre. Il dit l'épouse est devenue le sang. Le problème avec l'église de Dieu aujourd'hui, c'est qu'elle ne reconnaît pas sa position. Elle ne croit pas ce que Dieu a fait d'elle. Ce que Dieu dit qu'elle est, l'église ne le croit pas. Mais toi, tu dois croire ce matin ce que tu es. Et Jésus ne fait pas tout. C'est comme le vieux Sassou ici. Est-ce que le président Sassou, il travaille seul ici au Congo? C'est pourquoi il a créé des ministères. Même notre Dieu fait dans la décentralisation. Jésus n'a pas pris tout sur lui seul. Il a donné des départements ministériels aussi. Dans Marc chapitre 16, il nous a donné le département ministériel de la santé. Quand tu veux la santé, ne pas voir Jésus. Il y a un apôtre émérite là. Il est capable de prononcer la parole. Je veux quelqu'un pour dire un amen à ça. Sois guéri ce matin. Sois délivré ce matin. Sois libéré ce matin. Jésus n'a pas fait que nous donner le ministère de la santé. Même le ministère du ciel, il nous a donné ça. Il a dit à Pierre, le clé du royaume des cieux, là, je te donne. Donc ne pas voir Jésus pour t'amener au ciel. Il faut oublier ça. Il a donné le département ministériel à Pierre. Pierre, c'est toi et c'est moi. Il nous a envoyé un Pierre aujourd'hui. Nous-mêmes, après avoir reçu la parole, nous sommes devenus des pierres. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Vous savez, dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18, on nous dit que Jésus, après sa résurrection, il tient sur sa ceinture là les clés de la mort et du séjour des morts. C'est vrai, n'est-ce pas? Les clés de la mort. Oh, toi, tu vas aller voir Jésus. Quand toi, tu veux aller au royaume des cieux, tu peux voir Jésus. Oh, c'est quel Jésus imaginaire que tu peux avoir? Hein? Lui, il a les clés de la mort. C'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il peut faire pour toi. Mais Jésus, aujourd'hui, il est sous la forme corporelle de son église. C'est difficile à emballer. C'est la parole, non? Est-ce que j'ai inventé? C'est Pierre qui avait les clés.
Oh, tu pars dans ta chambre, oh Seigneur, Seigneur. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vous savez, même quand Saul de Tarse l'a rencontré sur le chemin d'Emmaüs, sous la forme de la colonne de feu, tout ce que Jésus a pu faire pour lui, c'était de lui donner la mort. Il l'a rendu aveugle. Est-ce que ce n'est pas l'écriture? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Parce qu'il l'a rencontré dans une autre dispensation. La dispensation là, il ne faut pas les rencontrer comme ça. Et Jésus a dit, moi je ne paie rien pour toi. Si tu veux recouvrir la vue, bien que moi-même j'ai mis les problèmes sur toi dans ta vie là, pour enlever les problèmes là, moi-même je ne peux plus enlever. Il faut aller voir l'apôtre Bateta. Il faut aller voir le frère tel. Va voir la sœur telle. C'est quand Saul est arrivé chez Ananias, c'est là où les données ont changé. Parce que Dieu s'était fait chair dans un homme appelé Ananias. Ananias était devenu une Bible vivante. Nous, on n'a pas peur de prêcher le message. Hein. Il y a des gens qui ont peur de dire certaines choses. Moi, je lâche ça comme ça, il faut lâcher. Parce que les aigles supportent ça. Ils ont un estomac solide. Pour les aigles, ça ne leur donne pas les ulcères d'estomac. Oh non, tu es venu pour la première fois, ce n'est pas mon problème. Ça, je m'en fous de ça. Parce que les glons, quand il était dans la basse-cour, il n'avait jamais entendu la voix de la mère aigle. Mais la première fois qu'il a entendu la voix, il a reconnu la voix et il est allé vers la voix. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles... Frère Madame dit, dans pourquoi crier parle? Il dit, chaque véritable fils de Dieu naît avec la voix de Dieu en lui. C'est pourquoi quand on t'a parlé du message, pour la première fois, ton âme s'est réjouie. Tu te dis non, c'est comme si j'avais écouté ça quelque part. Mon âme aime ça. Oui, tu avais écouté ça dès avant la fondation du monde. Frère Branham dit, dans Dieu tient sa parole, que le message que vous écoutez aujourd'hui, il dit, ce n'est pas un nouveau message. Il dit, mais sauf que le prophète, Dieu a répandu sa parole dans le temps. Il dit, et à chaque âge, il a alloué une portion de la parole. Mais le prophète est celui, le seul qui a la constitution de monter et d'aller se saisir de ce message que Dieu avait délivré dès avant la fondation du monde. Quand son temps arrive, il monte, il va saisir ce message-là et il vous l'apporte. Amen. Donc tu dis, tu crois le message aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais cru dès avant la fondation du monde. Si Dieu t'a amené à croire ce message, c'est parce que tu es un croyant de la même nature que le messager. Frère Madame dit que quand Dieu a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta, c'est parce qu'elle était une croyante de la même nature qu'Élie. Si nous, nous avons cru le message, c'est parce que Dieu avait mis cette disposition en nous. Si tu n'es pas né pour croire le message, tu ne le croiras pas. Amen. Laissez-moi lire ici dans l'adoption, quatrième partie, Frère Branham dit, paragraphe 21. Dieu a écrit trois Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque, l'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement, le preuve. Il dit la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le Lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça écrit là. Amen. La première Bible, c'est quoi? Le zodiaque. Nous sommes d'accord? Et c'était aussi une Bible complète qui parlait du commencement et la fin. Nous sommes d'accord? Frère Benham nous dit la deuxième, toujours dans la même brochure, paragraphe 22. C'est prêché le 22 mai 60. Il dit, ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Et Frère Branham nous dit que Enoch a bâti la pyramide. Il dit que la pyramide qu'Enoch a bâtie est la seule chose, il dit, à aucun moment de la journée, elle ne reflète pas l'ombre sur le sol. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur la terre qui ne reflète pas d'ombre? Il n'y en a pas, sauf la pyramide d'Enoch. C'est pour dire quoi? Pour dire que vous, les croyants aujourd'hui, ils pensent que être et fréquenter, c'est une mauvaise chose. Fréquenter n'est pas une mauvaise chose. Amen. Fréquenter, étudier n'est pas une mauvaise chose.
Frère Branham dit dans pourquoi c'est quoi? Pourquoi t'appuies sur son intelligence, le titre c'est encore quoi? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit vous allez à l'école étudier et avoir des diplômes pour que vous ayez de meilleurs emplois. Amen. Donc quand nous on va à l'école, on sait faire la part des choses. Nous sommes d'accord? Parce qu'avant on a enseigné tellement de choses aux gens. Avant là on a bourré le cerveau des gens, les prédicateurs, avec leurs pensées à eux. Pas ce que le messager a dit. On a tellement dit des choses, on a vu des gens qui ont quitté leur emploi, ils ont déchiré les diplômes et tout. Parce qu'on a mal compris le message. Même les enfants de Frère Branham, ils fréquentaient. Il dit, ma fille venait d'avoir le baccalauréat. Est-ce qu'avec le baccalauréat, on ne travaille pas ici au Congo? Amen. On travaille, n'est-ce pas? Donc, si tu vas à l'école, il faut bien apprendre. Tu vas avoir les meilleurs emplois au Congo. Que quelqu'un dise amen à ça. Frère Branham dit au paragraphe 72 du message des noms blasphématoires. C'est prêché le 4 novembre 62. Il dit au paragraphe 72 et 73, il dit, Enoch avait achevé à son époque ou à cette époque-là la pyramide. Vous voyez que la pyramide qu'Enoch a construite, si ça ne reflète pas d'ombre sur le sol, vous comprenez que c'était un grand mathématicien. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire marcher avec la parole. Il craignait Dieu, mais c'était un homme, un savant. Ce n'était pas n'importe qui. Quand vous voyez Noé qui a construit l'arche, Noé n'était pas un mbouk, hein, s'il vous plaît. Frère Branham nous dit que Dieu utilise l'homme avec les compétences qu'il a. Il dit Dieu a choisi Élisée sur la base du fait que quand il a observé du haut des cieux, il voyait comment Élisée traçait des sillons droits. Dieu a dit non, ce gars est de très bonne qualité. Si je le prends, je le mets de mon côté, il sera un bon gars. Amen. Jusqu'aujourd'hui, la science n'arrive pas à reproduire le bateau, l'arche de Noé. Il n'y a rien qui peut être comme l'arche de Noé. Frère Branham dit qu'il n'y a aucune grue sur la terre qui peut soulever une seule pierre sur la pyramide d'Enoch. Mais c'était des croyants aussi comme vous et moi. Mais ils avaient quelque chose. Donc ne pense pas que comme tu as quelque chose là-haut, non, faut dire, ce n'est pas du diable. C'est comme quelqu'un nous a dit quelque part que l'argent, on parle de l'argent, l'argent. Est-ce que parler de l'argent, c'est un péché? Est-ce que l'argent appartient au diable? Comme moi, je prêche ce matin. Ma façon, moi, je prêche là. Jésus n'a pas eu les mêmes privilèges que moi. Oui, il faut dire la vérité. Jésus n'a jamais prêché avec le micro. Oh. Est-ce que tu penses que tu vas gêner 100 milliards d'années pour que le micro tombe du ciel? Ça ne tombera pas. Jamais, ça ne tombera pas. Il faut le mbongo pour acheter le micro là. Pour avoir le mbongo, il faut les frères et les sœurs qui travaillent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça n'appartient pas au diable. Ça appartient à Dieu. Et on doit avoir l'argent. On doit avoir l'or. Amen. Ce n'est pas un péché. Pourquoi les autres doivent habiter des belles maisons? Toi, tu habites dans les... C'est écrit où? C'est écrit où? Il faut qu'on nous montre là où c'est écrit. Oh non, un frère ne peut pas être ministre. C'est écrit où? Il faut nous montrer là où c'est écrit. Un jour, pasteur, j'étais en train de marcher à Yaoundé avec un pasteur. J'ai vu un monsieur là, il est sorti, il avait une belle décapotable là. Oh, j'ai aimé ça, j'ai dit oh non, moi j'aurai ça. Moi je prophétise, j'aurai la voiture là. Le pasteur là, il dit oh, vous savez, les Branhamistes, ils ont une spiritualité trop démesurée. Les Branhamistes. Vous savez, les croyants du message, c'est les gens les plus bornés que je connais sur la terre. Oh, je vous dis la vérité. Les croyants d'Afrique francophone surtout, ils voient le diable partout. Il dit, oh non frère, ça c'est mondain. J'ai dit, qu'est-ce que tu appelles mondain? Mondain même pour vous là, c'est quoi? J'ai dit, attends, tu crois frère Branham? Oh mais comment tu me poses? J'ai dit, mais est-ce que tu crois frère Branham, pasteur? Oui. Je lui ai monté la citation, frère Branham dit, j'avais ma décapotable. Okay? Bon, tu as dit que c'est le monde, donc ton prophète était un mondain aussi. C'est le diable. Le chrétien est un modèle en chaque chose. Nous sommes d'accord? Frère, ne nous trompons pas. L'évangile aujourd'hui évolue avec des réalités. Nous sommes d'accord? Tel que nous sommes là, si nous avons des belles salles, des beaux endroits, vous voyez là, vous êtes, tout le monde est propre là. Frère, ça donne une image au christianisme. Les gens vous respectent. C'est pourquoi chacun d'entre vous, on ne vient pas à l'église en babouche. Quand tu viens adorer Dieu, tu t'habilles correctement.
tu mets ton dernier cri, ta dernière garde-robe là. Parce que tu vas te présenter devant le grand Elohim. Tu te présentes devant l'adorable. C'est pas que tu es là, tu sens le bouc et tu viens à l'église. Non. Tu t'habilles correctement. Quand tu vas, si tu viens ici au lycée, là, dans ce lycée ici, pour demander la place pour ton enfant, tu vas venir voir le proviseur en babouche. Tu peux entrer dans le bureau du proviseur en babouche. Et c'est quand tu viens adorer le Créateur que tu vas venir en babouche. Avec les cheveux qui ne sont pas peignés. Non. Les chrétiens aiment un monsieur propre. Nous sommes d'accord? Ce sont des réalités qui vont avec l'évangile aujourd'hui. Vous savez, frère, rien que par votre apparence, on peut vous juger. On vous juge par votre apparence. Tu vas présenter l'évangile à quelqu'un. Toi-même, tu es comme une antiquité. Oh, il va dire que mais toi, tu veux que je devienne comme toi? Frère Banam a voulu vivre comme les gens de l'ancien temps. Dieu lui a dit, si tu tentes, c'est d'abord ta femme qui va partir. On doit se comporter comme les gens de notre jour. Mais nous savons faire la part des choses. Si les autres portent le mini-jupe, je ne pourrais pas porter le mini-jupe. Mais je serai propre. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas, oh là, tu es avec des choses sur toi comme une vieille, je ne sais pas quoi. Il faut être propre. Dis à ton voisin, sois propre. Oui? Vous savez, Frère Branham dit que le jeune homme riche, dans le message, vient sur moi. Il dit, le jeune homme riche avait été présenté à Christ. Frère Branham dit qu'il avait un potentiel exploitable. Et il avait été présenté à Christ afin que Christ l'utilise avec le potentiel qu'il avait en lui. Or, le potentiel que ce jeune homme avait, ce n'était pas à l'église qu'il avait eu ce potentiel-là. C'était dehors, l'éducation, toute la préparation qu'on avait faite là-bas dehors, à l'école, ainsi de suite. Frère Branham dit qu'il était probablement riche, instruit, jeune, influent. Il dit avec ses qualités, il aurait pu présenter l'évangile mieux que les autres. Donc lui seul, avec ses quatre qualités, il était mieux parti que les autres. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est Frère Branham qui dit, vous pouvez trouver la citation. Donc aujourd'hui, frère, si tu as les moyens, tu te tiens là pour parler aux gens. Ils veulent t'écouter, que tout le monde veut t'écouter. C'est une réalité. Hein? Tu arrives là, comme le pasteur il est là, tu es bien habillé là, tu gardes ta grosse voiture là. Quand tu commences à parler à tout le monde veut vouloir t'écouter. C'est une réalité. L'influence que Dieu t'a donnée, avec cette influence, tu peux gagner les âmes au Seigneur. Toi, tu es, je ne sais pas quoi, sous-préfet, tu es proviseur, tu es, peu importe ton rang social. Avec ton rang social, tu es capable d'influencer les gens. J'ai une sœur dans mon église que j'ai convertie, elle est sous-préfet. Et je lui ai dit, sœur, toi, avec ton rang, si Dieu t'a appelé tant ce que tu es là, c'est pour que tu amènes les âmes au Seigneur. Il t'est plus facile à toi de parler aux gens de ton rang. Parce qu'ils ne diront pas que tu n'as rien dans la tête, vous avez fait les mêmes écoles. Donc quand tu parles, ils savent que non. Ça c'est quelqu'un qui nous parle. Amen. Ce n'est pas, voilà, comme dit mon frère, ce n'est pas parce que j'ai faim. Ça c'est une idée que les gens ont du christianisme. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un monsieur qui était un prédicateur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le prédicateur, il était allé dans une place publique, là où les grands hommes s'asseyaient, les milliardaires, les millionnaires, ils étaient là. Et le prédicateur, il est allé, il a mis de bons costards, il met un bon costard là. Sa prédication n'était pas compliquée. Quand il arrive, il dit, repentez-vous, donnez vos vies à Jésus, Jésus revient bientôt. C'était tout ça sa prédication. Il a changé comme ça 10 costumes. Moi, pour être honnête, j'ai souvent dit que si moi j'avais été là, j'allais certainement critiquer le prédicateur là. J'allais dire, non, peut-être qu'il veut montrer les vestes. Mais lui, il a été inspiré à le faire. Et quand il a fini comme ça, il y avait un multimilliardaire qui a fait appeler le prédicateur. Il lui dit, moi j'avais une image du christianisme. Je me disais, c'est les gens qui ont faim. C'est les gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais quand je te regarde, moi je suis monsieur tel, mon chiffre d'affaires c'est tant. Il dit, mais je t'ai vu changer 10 vestes en l'espace de quelques minutes. Il dit, moi qui suis milliardaire, moi je n'ai jamais porté la qualité des vestes que tu as là. Il dit, à cause de ça, toi conduis-moi à ton Jésus là. Même la veste peut convertir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Laisse-moi un peu avancer. Je vais essayer de couper.
Frère Branham nous dit donc il y a trois Bibles, n'est-ce pas? Nous allons lire la troisième. Nous avons lu le zodiaque et la pyramide, n'est-ce pas? Frère Branham dit au paragraphe 23 de l'adoption, il dit la troisième a été écrite sur papier, la Bible, pour ce monde très intelligent, très intellectuel, qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. Vraiment. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Oh, nous en sommes là, pensez-y. Frère Branham dit, dans les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 220, il dit, or, Jésus a lu cette même Bible, la même Genèse que nous lisons. Soyez attentifs là, ne manquez pas ça. La même Bible que nous lisons, c'est ce que Jésus a lu. La première Bible, c'était le zodiaque. La deuxième, c'est la pyramide. La troisième, c'est celle que vous avez là. Qu'elle soit dans les téléphones, qu'elle soit dans les tablettes, qu'elle soit sous forme de livres. Ça, c'est les trois premières formes de Bible. Mais maintenant, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la quatrième. On ne peut donc pas parler de la quatrième sans avoir parlé de la première, de la deuxième et de la troisième. Parce que Frère Branham dit que si on vous dit que Jean et Marie vécurent ensemble et qu'ils eurent beaucoup d'enfants, il dit c'est la conclusion qu'on est en train de vous donner. Vous devez remonter l'histoire pour connaître qui étaient Jean et Marie avant d'arriver qu'ils vécurent ensemble, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, c'est ce que nous avons voulu faire. Donc, Frère Branham va nous dire que la Bible a été écrite en l'espace de 1600 ans par 40 auteurs, par 40 écrivains différents. Nous sommes d'accord? Il dit que le livre de Job est le livre le plus ancien. Le livre de Job est le livre le plus ancien. Maintenant, Frère Branham va nous dire que il y a aujourd'hui plus de... À son époque, quand il parlait, il disait qu'il y avait plus de 900 dénominations. Pourquoi? Parce que chacun prend la Bible, il l'interprète à sa manière. L'autre prend là-bas, oh non, Jésus est comme ça, oh non, Jésus est le noir. L'autre dit que Jésus est un blanc, l'autre dit que Jésus est un chinois. Tout le monde dit sa part. Chacun a sa doctrine, chacun a sa religion. Oh, vous savez qu'avec la Bible, porter seulement la Bible là, porter seulement la Bible ne te sauve pas. Hein? Dis que oh non, la Bible, celle, la Bible n'a pas l'onction. C'est ça. Hein, ça te paraît bizarre. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé que l'onction c'est une personne. Vous savez, même les marabouts utilisent la Bible. Quand tu as volé, on prend l'histoire d'Ananias et Saphira. On te dit, répète, est-ce que tu n'as pas volé? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, même les marabouts, ils utilisent la Bible. Donc rien que te focaliser, rien que sur la Bible, oh, la Bible là, ça va seulement demeurer un livre. Mais il faut que cette Bible quitte le stade du livre pour devenir autre chose. C'est à ce moment-là qu'elle est capable de te donner la vie. Nous sommes d'accord? Il y avait un homme dans la Bible, on l'a appelé Corneille. Cet homme-là, la Bible nous dit que cet homme était un homme pieux. Un monsieur qui vivait la parole, quelqu'un qui faisait des bonnes choses, il faisait des aumônes. Un jour, il a vu un ange en vision. Il avait besoin de salut. Mais quand l'ange est apparu, l'ange a décliné son incapacité à lui donner la vie éternelle. L'ange a dit, ça, ce n'est pas mon domaine à moi. Dieu ne m'a pas qualifié, il ne m'a pas mandaté pour te donner le Saint-Esprit. Ça, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Il lui a dit, mais je connais un homme quelque part. Il est quelque part à Jopé, chez un certain Simon le Corroyeur. Si tu envoies les gens le chercher, lui, quand il va venir ici, il va damer. Tu vas avoir ce que tu veux là. Et Corneille a dépêché les gens quand ils sont revenus et que Pierre est entré. Pendant que Pierre était en train de prononcer la parole, eux, avec les cœurs disposés, le Saint-Esprit est descendu. Frère Branham dit dans le message, un guide, que Pierre s'est présenté dans la maison de Corneille sous la forme du Saint-Esprit. Donc, pour que Corneille reçoive le Saint-Esprit, il a fallu qu'il y ait un Pierre. Et Frère Branham dit que vous pouvez le recevoir pendant que vous écoutez la parole. Et il dit, quand on entre en présence d'une église qui a été en prière et que le prédicateur vient sous l'onction de l'Esprit, il dit, vous êtes sûr que quelque chose va se passer. Amen. Nous avons lu un texte ici, nous avons vu Jésus qui aussi allait à l'église, comme chacun d'entre nous. Pendant que Jésus, lui, quand il arrivait quelque part, il n'a jamais demandé la chair à quelqu'un. Lui, quand il arrivait, on lui cédait simplement la chair, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Il n'a jamais demandé. Quand il arrive, on cède, parce que c'était la parole. Donc, dès qu'il arrive, on cède. Et le jour-là, Jésus, le prêtre est venu lui donner le rouleau. Et Jésus a ouvert, c'est tombé à l'endroit où on parlait de la prophétie d'Ésaïe 61. Et quand Jésus a terminé de lire cette écriture, et Jésus dit qu'aujourd'hui, Frère Branham dit, il a lu la première partie et il a arrêté. Parce que l'autre partie, ça s'appliquait dans le jour dans lequel nous vivons. Donc Jésus a mis une pause. Il dit, cette écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie sous vos yeux. Donc l'écriture que vous êtes en train de lire là, elle n'est plus dans la Bible. Parce que l'écriture debout est la manifestation de l'écriture couchée. Quand vous voyez une écriture dans la Bible, elle révèle une onction. Cette écriture prend vie lorsque l'homme qui a été prédestiné à la manifester arrive sur la scène. L'écriture quitte la Bible, l'écriture devient un homme et commence à marcher sur deux pieds. Donc, eux, l'écriture qu'ils étaient en train de lire au temple là, elle était faite chair devant eux. L'homme là qui portait la même robe tous les jours, lui il ne faisait pas dans la vestologie comme nous. Lui il était dans la robologie. Hein? Lui il était là dedans tous les jours. Mais lui, c'était lui l'écriture l'a manifestée. Donc Jésus était une Bible. Vous allez observer que Jésus a lu, il y a eu le zodiaque, il y a eu la pyramide. Et Frère Branham vient de nous dire que Jésus a lu la même Bible que toi et moi nous lisons. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Mais Jésus, lui, il était quoi? Lui, il était une Bible. D'où nous arrivons à la quatrième Bible. La quatrième Bible, c'est toi et c'est moi. Laisse-moi te lire quelque chose ici. Je vais lire quelques citations et je vais vous libérer. Frère Branham dit dans le message, les dents de Satan. C'est prêché le 29 août 65, au paragraphe 161. Il dit, c'est l'Église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'Église, voyez, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. Parce que l'Église a tellement de dormes, de credos, de lois. Oh, il ne faut pas faire. Amen. Et même dans le message, ils sont venus avec ce... Ils ont rendu les gens hypocrites. Le message est venu nous rendre libres. Oh non, frère, il faut laisser les gens tranquilles, il faut laisser les gens libres. Frère Branham dit, il dit que nous ne leur disons pas ce qu'ils ne doivent pas faire, mais nous leur présentons le modèle de la Bible. Il faut présenter le modèle aux gens. Ce n'est pas là pour condamner les gens, tu condamnes les gens. Ton ministère, c'est le ministère de la condamnation. Jésus, lui, il est venu délivrer les gens, toi, tu es là pour condamner les gens. Oh, fire! Frère, si vous ne me croyez pas, vous ne m'acceptez pas, frère, vous allez aller en enfer. Toi qui? Toi qui? Tu envoies les gens en enfer, toi qui? C'est parce que toi-même, l'enfer est en toi. C'est pourquoi tu penses seulement envoyer les gens en enfer. Les gens les plus mauvais que je connais sur la terre, c'est les prédicateurs. C'est nous les prédicateurs. Mais Dieu a aussi toujours des bons prédicateurs. Toujours en train de malaxer les gens comme ça, malaxer les gens comme ça. Il faut laisser les gens être libres. Si un frère, lui, tu vois quelqu'un qui vient peut-être à l'église, si elle n'est pas encore, une soeur n'est pas encore délivrée, porte ses pantalons. Laisse-lui porter ses pantalons. Aime-la comme ça, jusqu'à ce que Dieu convainc son cœur, mais ne la rend pas hypocrite. Quand tu vas commencer, quand elle va sortir là, dehors là-bas, elle sera une autre personne. Après, vous allez dire, oh non, on va t'excommunier, tu ne vis pas la parole. Tu l'excommunies en qualité de qui? Toi qui? Amen. Ça, c'est le système des églises. On a trop dérangé les gens avec le système des églises là. Laisse la sœur là arriver au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit rentre dans la sœur là, elle sera une personne différente. Frère Branham dit que quand vous êtes américain, vous êtes influencé par l'esprit américain. Si tu es congolais, tu seras influencé par l'esprit congolais. Tu es camerounais, tu seras influencé par l'esprit camerounais. Il dit, mais quand vous naissez du royaume d'en haut, d'un esprit céleste, il dit, votre esprit n'est plus marqué par les choses de la terre, mais par les choses d'en haut.
Alors, amène les gens à être marqués par l'esprit d'en haut. Parce que je connais un pasteur chez nous comme ça. Lui, c'est-à-dire que lui, il est souvent, parfois, il veut boxer même les frères. Il veut boxer même les gens à l'église. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est trop sérieux, il aime trop Dieu. Moi, je lui ai dit, pasteur, il faut laisser tes histoires que tu fais là. Ce n'est pas toi qui changes les gens. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. Toi-même, tu n'es même pas encore changé. Il faut être honnête. Toi-même, tu n'es pas changé. Amen. Il faut dire la vérité. Et plus il condamne comme ça. Moi, je connais toutes les jeunes, tous les jeunes que j'ai connus dans son église. Tous. Toutes les sœurs, là, grossesse. Il dit, mais comme tu cognes beaucoup là, pourquoi tu les empêches donc pas d'arriver là? Mais tous les jours, tu cognes. Parce que tu penses que c'est toi qui fais le travail. Mais laisse le Saint-Esprit faire son travail. Aime les gens, présente-leur la vérité. Et laisse Dieu s'occuper d'eux. Amen. Si quelqu'un arrive à avoir une relation individuelle, personnelle avec le Seigneur, il saura que partout où je suis, il n'a pas besoin d'avoir la police derrière lui. Il n'a pas besoin d'avoir un huissier, un diacre derrière lui. Il sait que je suis comme Daniel à Babylone. Parce que la puissance d'en haut, le royaume des cieux est en moi. Le royaume de Dieu demeure en moi. Donc par conséquent, je suis un citoyen du royaume. Je vis comme les gens du royaume vivent. Je marche comme les gens du royaume marchent. Je fréquente les endroits que les gens du royaume fréquentent. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Je m'habille comme s'habillent les gens du royaume. Daniel à Babylone, il n'avait pas besoin qu'on lui fasse la police. Pendant 66 ans, il a gardé la parole. Parce qu'il avait la chose qui était déjà immaculée dans son âme. Amen. Il dit car la Bible c'est l'homme. Oh oui, mais la parole a été faite chair. Elle était un homme. La Bible c'est l'homme. L'église c'est la femme. Nous avons compris ce que c'est que la Bible. La Bible c'est quoi? Donc si j'ai parlé de la quatrième Bible, je ne suis pas en dehors de la parole. Nous comprenons que si l'homme c'est la Bible, on arrive à une quatrième. Parce qu'il nous a montré les trois premières formes. Nous sommes d'accord? Et maintenant, la quatrième forme ici, c'est toi et c'est moi. Il dit, voyez, ce n'est pas l'église. La Bible qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église qui détourne du droit chemin. C'est à cause de l'église qu'il s'est retrouvé nu, pas à cause de la Bible. Amen. Frère Benham dit, dans le message, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu, paragraphe 147. Il dit, remarquez, qu'est-ce alors? Il dit, que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter, ni retrancher. Le prophète est quoi? C'est une Bible. Une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Car si nous ajoutons ou nous retranchons, Dieu nous efface du livre de vie. La Bible a été annoncée dans Malachie 4, ce qui arriverait dans nos jours. Et dans Apocalypse 10, que les sept sceaux seraient ouverts et révéleraient tous ces mystères qui ont été cachés au travers de ces réformateurs. Il a dit comment il arriverait. C'est dans la Bible, ainsi dit le Seigneur. Dieu a complètement, parfaitement identifié et confirmé cela comme étant la vérité par des signes, par des prodiges dans les cieux et tout le reste pendant 33 ans. Amen. Nous avons compris. La Bible, c'est quoi? C'est l'homme. Et le prophète a aussi la Bible. La Bible à laquelle on ajoute ni on ne. Frère Banam va nous dire ici dans le message, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit, au paragraphe électronique 14, il dit, peut-être que vous pensez que les gens ne vous observent pas, mais ils observent chaque geste que vous faites. Vous êtes une Bible pour beaucoup de gens. Vous êtes quoi? Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, dis-lui, voisin, tu es une Bible pour beaucoup de gens. Toi, madame, dit, c'est pourquoi il nous faut veiller à ce que nous faisons. Il nous faut veiller à ce que nous... Pourquoi? Parce que nous sommes une Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen à ça? Il dit, nos transactions. Hein? Donc toi, tu es un frère, tu es devenu une Bible. Est-ce qu'une Bible fait de fausses transactions? La Bible ne fait pas de fausses transactions. Nous sommes d'accord? La Bible ne fait pas des choses bizarres.
Parce que tu es une Bible. Quand tu comprends que tu intègres ça, tu comprends que tu es une Bible, alors tes gestes, tout ce que tu feras, ce sera comme la Bible dit. Parce que tu crois ce que tu es. Amen. Il dit, et tout ce que nous faisons dans toute notre marche, abandonnez-vous simplement à l'esprit et Dieu se reflétera en vous. Abandonnez-vous tout simplement à et Dieu se reflétera en vous. Il dit, comme je l'ai dit, comme le cep, dans Jean 15, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Eh bien, maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas le cep qui porte les fruits, c'est les sarments qui portent les fruits. Mais c'est du cep que le sarment tire sa vie. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui est censé porter le fruit. C'est toi et moi qui sommes censés porter du fruit. Pourquoi? Parce que nous avons tiré notre vie de Jésus. Si la vie de Jésus est en nous, nous allons porter les mêmes fruits que Jésus a portés. Amen. Comme disait le pasteur à la conférence là-bas, quand Jésus, lui, il avait cette chose en lui, quand il arrivait devant les démons, il n'avait pas besoin de crier comme nous on crie tellement aujourd'hui. C'est les démons qui reconnaissaient la chose en lui et les démons étaient en débandade. Ils commençaient à supplier. Vraiment, s'il te plaît, il ne faut pas. Envoie-nous-mêmes dans les pourceaux là. Amen. Parce qu'il était une Bible. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frère Madame dit que nous sommes la seule Bible que beaucoup de gens pourront lire. Écoutons dans la communion par la rédemption. C'est prêché le 3 avril 55, au paragraphe électronique 75. Il dit, vous savez, eh bien, c'est un peu dur, mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. Vous, les chrétiens, votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes pourront jamais lire. Juste vos actes et votre comportement, les chrétiens sont donc censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Et si Christ est dans le cœur d'un homme, il va certainement mener sa propre vie, car Christ est en vous. Et si l'esprit de Christ est en vous, vous devenez alors une nouvelle créature. Frère Banham va nous dire que nous sommes une Bible qui marche. Il dit, dans la communion par la rédemption, paragraphe 244, il dit, le seul moyen qu'a Dieu de prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est par cette motte d'argile. Quand il parle de la motte d'argile, il est en train de parler de lui-même. Nous sommes d'accord? Ailleurs, Frère Branham dit que la première fois pour Dieu, après avoir tout créé, de humer l'odeur de la rose, c'était au travers d'Adam. La seule façon pour Dieu de porter le costume, c'est quand toi et moi nous portons le costume. Nous sommes d'accord? La seule façon pour Dieu de voler, de prendre un avion et de voyager en première classe, c'est quand toi et moi nous voyageons en première classe. Il dit, et c'est pourquoi il vous retient ici. Et c'est pourquoi vous, les malades, vous avez le droit de venir à Christ. Dites, Seigneur Jésus, si seulement tu me guéris maintenant, j'irai. Je ne suis peut-être pas un prédicateur, mais je parlerai de cela. Je ferai tout mon possible. Tu es le sceptre, je suis l'un des sarments. Or, le sceptre ne porte pas de fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Pas le sceptre, c'est le sarment. Le sceptre, lui, donne seulement l'énergie. Donc, le message, Christ nous donne l'énergie pour que nous puissions porter du fruit. Et le fruit que nous sommes censés porter, ce n'est pas seulement la vie spirituelle. Nous sommes censés porter le fruit sur tous les plans. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, on doit porter le fruit. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ont seulement accepté le salut. Oh non, moi je pars au ciel, je suis sauvé. Ton salut là, c'est un salut bancal. Un salut incomplet. Mais le salut que Jésus a accompli pour nous, c'est un salut complet. Frère Branham dit, le mot grec pour ça veut dire sozo. Donc Dieu te sauve spirituellement. Il te sauve physiquement. Spirituellement, tu as le Saint-Esprit en toi. Physiquement, tu dois être en bonne santé. Il dit, il te sauve matériellement. Oh, tout ce qui est matériel, ça s'acquiert à prix d'argent. Tu vas prier, les habits vont tomber du ciel. Tu perds ton temps. Il faut avoir l'argent pour aller acheter les habits au marché. Ça, c'est le salut que Jésus a accompli pour nous. Un salut complet. On est sauvé matériellement, spirituellement, financièrement. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? La Bible dit que je suis l'Éternel
qui te guérit de toute. Même si tu as les maux de poche, Dieu guérit même les maux de poche. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Reçois la guérison des maux de poche ce matin. En 2024, ça doit changer. On ne veut plus la maladie des maux de poche. La maladie des maux de poche amène les gens au compromis. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Salomon a dit, si tu me laisses dans la pauvreté, ne sois pas surpris qu'un bon matin que je sois en train de te maudire. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est dans la Bible, non? Donc ne sois pas surpris que moi je sois en train de faire des choses qu'on ne fait pas, comme ce que la Bible n'est pas censée faire. C'est parce que j'ai faim. Hein? Et on dit que ventre affamé n'a point. Et notre Dieu béni. Moi je crois à la bénédiction matérielle. Ce n'est pas un péché. Vous savez, Dieu vient à vous selon l'identité que vous lui donnez. Job dans la Bible avait compris ça. Pour lui, Dieu n'était pas seulement son sauveur et son seigneur. Mais il a compris que Dieu aussi, l'éternel, est son rédempteur. Oh, le rédempteur, c'est celui qui te redonne tes droits. Ce que tu as perdu, il te ramène à ta position originelle. C'est ce qu'est venu faire le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin n'est pas venu gonfler nos têtes avec les citations. Oh non, moi je crois le message. Tu crois le message et puis quoi? Depuis que tu as cru le message et puis quoi? Le message n'est pas venu nous donner de grosses têtes. Le message est venu nous sortir aussi de la condition de la misère. Frère Branham a commencé dans la cabane. Il a construit des maisons. Il a laissé beaucoup d'argent. Ses enfants aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Tu ne vas pas les voir en train de faire comme ça. Hein? Et toi, au quartier, tu es là-haut, non? Voisine, est-ce que tu peux me donner un peu les allumettes là? Mes allumettes sont finies. Est-ce que tu peux me donner le sel? Ça, c'est quel évangile ça? Ça doit changer. Il faut se révolter. Frère Branham dit que la pauvreté est une mauvaise chose. Surtout le manque d'argent. Il dit, il ne nous faut pas être très pauvres en argent. Mais c'est la continuité de l'évangile du colon qu'on trouve dans les églises aujourd'hui. Parce que le colon est venu en Afrique. Il est venu dire aux gens, heureux les pauvres, ils vont hériter le royaume. Le colon a coupé la citation. Et aujourd'hui, les gens, quand ils souffrent, ils pensent qu'ils sont spirituels. Hein? Il dort affamé. Il est sûr que Dieu est avec lui. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Dieu est avec toi, tu meurs de faim tous les jours. C'est que tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas tes droits. Oh, tu souffres, tu crois que parce que tu souffres là, non, donc, là, je suis spirituel. Comme tu marches avec les haillons là, avec les pantalons troués aux fesses là. Et non, tu crois que là, tu es spirituel. Faut laisser ça. Ça, c'est une insulte à l'évangile. Faut laisser ça. Dis à ton voisin, sors de là. Faut sortir de là. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Il faut abandonner cette mentalité-là. Frère Branham dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Hein? Oh, toi, tu es venu, oh non, j'ai cru le message, mais cette mentalité-là encore en toi. Il faut quitter cette mentalité-là. Amen. Frère Branham dit que les chrétiens doivent avoir les plus grandes ambitions au monde. Il dit, les chrétiens ne devraient pas avoir les pensées superficielles. Quand tu vas prier, oh Seigneur, donne-moi 100 000 francs. Oh, toi, tu vas vendre les détergents avec les allumettes et les bonbons. Ta foi, c'est au niveau des bonbons. C'est tout ce que tu as pu demander à Dieu, 100 000 francs, pour vendre les bonbons. Toi, tu as limité Dieu au niveau de 100 000 francs. Pourtant, avec 100 000 francs, on achète une basket, là, on va dans un resto, là, ça finit, là, sur place. Il faut demander les grandes choses à Dieu. Pourquoi tu as peur de demander les millions et les milliards? Qui t'a dit que les milliards, ça appartient aux autres? Ce n'est pas pour toi, pourquoi? Toi aussi, tu peux avoir ça. Moi, j'aurai les milliards dans ma vie. Qu'il vente ou qu'il neige, j'aurai ça. Tu n'es pas obligé de croire ce que moi je dis. Moi-même, je crois. Moi, je crois à mes prédications à 100%.
Tu dois croire pour toi-même. Que celui qui croit ce matin, que le Dieu de William Branham, que le Dieu de l'apôtre Bateta, qu'il te touche là où tu es ce matin. Que le désir de ton cœur te soit accordé ce matin. Permets-moi de terminer avec ceci. Hein. Est-ce que tu me donnes 5 minutes? Nous avons dit que la Bible, c'est quoi? C'est un homme. Vous savez, pendant qu'Israël était en Égypte, ils étaient en train de réclamer quoi? La délivrance, n'est-ce pas? Ils attendaient la délivrance. Oh Seigneur, délivre-nous. Oh Seigneur, délivre-nous. Peut-être les prédicateurs de l'époque, là, quand ils prêchaient, ils disaient, oh frère bien-aimé, vous savez que le Seigneur a promis qu'il allait nous délivrer par sa main puissante. Donc vous allez voir, frère, la main va sortir du ciel. Ça va arriver ici à Goshen. Et là, on va monter dans la main de Dieu. Ça va nous déposer directement à Canaan. Ça, c'est toi qui as dit ça. Mais Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Une autre façon de Dieu d'interpréter sa parole, c'est par les prophètes. Nous sommes d'accord? Parce que le mot prophète lui-même veut dire interprète divin des saintes écritures. Maintenant, quand le temps de Dieu est arrivé d'aller tenir sa promesse qu'il avait faite lui-même, il a mis la main sur un prophète fugitif appelé Moïse. Quand il a rencontré Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est là-bas en Égypte. J'ai entendu leur cri. Frère Branham dit, criez à Dieu pour vos besoins. Il dit, Dieu aime vous entendre crier. Il dit, la seule manière pour un bébé d'exprimer ce qu'il ressent, il dit, c'est par les cris. Nous sommes d'accord? Alors, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de crier, Dieu leur a envoyé la réponse sous la forme d'un homme appelé Moïse. Frère Branham dit, le prophète de Dieu est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu a toujours été un homme. Quand tu vas finir de prier, Dieu te mettra face à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alors, Moïse arrive, il dit à Dieu, Dieu lui dit, mais c'est toi qui dois aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse, il dit, oh, est-ce que toi tu connais l'homme qu'on appelle Pharaon là? Première puissance mondiale. Moi, je connais Pharaon parce que Moïse était le général en Égypte. Donc lui-même, il a participé au programme militaire, au développement des armes, ainsi de suite. Parce que c'était la première puissance mondiale. Maintenant, Moïse savait que pour aller affronter l'Égypte, il fallait une grande armée. Ça allait prendre du temps, trouver, je ne sais pas quoi, les mercenaires, une armée formée, l'équiper. Ça allait prendre beaucoup de temps. Mais notre Dieu a la faculté de contourner les procédures habituelles. Oh, il contourne les normes des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu lui dit, Moïse, moi je ne suis pas dans tout ce tralala-là. Aujourd'hui, je vais te donner une formation. Moïse dit, non, moi je ne peux pas. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller en Égypte parce que là-bas, c'est trop compliqué. Dieu a commencé à négocier avec Moïse. Moïse a trouvé même un alibi. Il commence à dire, tu sais, moi, je n'ai pas la langue facile. Dieu lui dit, même si tu n'as pas la langue facile là, c'est toi que j'ai choisi. Si tu n'es pas là, mon programme, ça va échouer. Vous savez, bien-aimé, dans le programme de Dieu, il y a des gens qui sont des irremplaçables. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, rien ne peut avancer. Donc même Dieu ne peut pas avancer d'un pas. Moïse était l'homme que Dieu avait choisi pour cette tâche-là. Frère Branham dit dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel, je crois au paragraphe 60 ou 65, il dit Jonas, pour aller à Ninive, il dit, il n'y avait que Jonas seul. Il dit, Moïse n'aurait pas pu faire l'affaire. Il dit, Élie n'aurait pas pu faire l'affaire. Même le grand prophète de Malachie 4, l'homme qui a dépassé tous les prophètes, sur tous les plans, même si on l'envoyait à Ninive, il allait échouer là-bas. L'homme qui était fait pour Ninive, il s'appelait Jonas. Pour certaines circonstances, il faut aussi des Jonas. Dieu aussi a des irremplaçables. Est-ce que tu peux dire un amen à ça? Amen. Si Dieu t'a conduit sous le ministère du pasteur Bateta, c'est parce qu'il savait qu'il avait quelque chose qu'il pouvait te donner que personne d'autre ne pouvait te donner. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens, moi je connais des gens à qui moi j'ai présenté le message, mais ils n'ont pas cru. Mais plus tard, je les ai retrouvés dans les églises. Nous sommes d'accord? Mais la semence avait été semée. Mais Dieu savait que c'est elle qui allait achever le travail. Donc, Moïse se retrouve dans ce tableau-là.
Dieu lui-même qui avait fait la promesse pour aller délivrer ses enfants, Dieu lui-même était incapable d'aller tenir sa parole là-bas. Je pèse bien mes mots. J'ai dit que Dieu était incapable d'aller lui-même en Égypte. Il dit, j'ai vu la souffrance, mais je suis descendu. Mais comment il était descendu? Frère Branham dit au troisième exode, au paragraphe 54, il dit, observez que quand Dieu dit, j'ai vu la souffrance et je suis descendu, il dit, c'est Dieu qui allait sous la forme d'un homme. Donc Dieu est allé en Égypte sous la forme d'un homme appelé Moïse. Alors pendant que Moïse arrivait en Égypte, si tu n'acceptais pas Moïse, tu perdais le salut. Il n'allait pas sortir de l'Égypte s'il n'acceptait pas Moïse. Donc, mais comment aller? Moïse est incapable. Dieu de l'autre côté, il est aussi incapable. Mais l'association de deux incapables a rendu la chose possible. Dieu était simplement incapable. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous a appris que un esprit qui n'a pas de corps, c'est un esprit inoffensif. Pour que le diable agisse ici ce matin, il faut qu'il trouve un corps. Pour que Dieu agisse ici ce matin, il faut qu'il trouve un corps. Donc Dieu ne pouvait pas agir aussi longtemps qu'il n'avait pas trouvé de corps. C'est pourquoi on parle d'incapacité ici. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais il a de ses lois et ses principes. Frère Branham dit que l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est le partenaire de Dieu. Il dit Dieu ne fait rien sans le concours, sans le moyen de l'homme. Amen. Donc pour ce moyen-là, il fallait un homme. Donc Moïse est allé en Égypte comme étant une quatrième Bible. Mais ils avaient la Bible là-bas. Ils avaient les prophéties de Joseph, de Jacob et tout ce qu'Abraham avait dit. Mais cette Bible-là n'a pas pu les sortir de l'Égypte. Il a fallu un homme qui était devenu une écriture vivante. Un homme qui avait incarné la parole et qui était capable de prononcer la parole, et le cours des événements allait changer. Il y avait un autre homme dans la Bible. Je termine avec cette histoire-là. On l'a appelé David. Pendant qu'Israël était dans une situation compliquée, il y avait une convention qu'on avait organisée quelque part. La convention avait duré 40 jours déjà. Prédication matin et le soir, matin, soir. L'autre vient là-bas, une dame là-bas, une dame. L'autre dame là-bas, une dame. Goliath vient, une dame, une dame. Et Goliath, il paraît que c'est lui qui damait le pion dans la convention là. Il était le prédicateur le plus excellent. Et il fait des déclarations, il dit, venez me prouver le contraire. Et personne n'arrivait à lui prouver le contraire. Il a cloué le bec de tous les prédicateurs. Saül était en train de rentrer derrière. Mais un jour, il y avait un jeune homme quelque part qu'on ne connaissait pas. Il avait le royaume. Il avait reçu l'onction du royaume. Un roi sans trône. Il était un roi sans trône. Mais n'empêche que l'onction royale était sur lui. Un jour que son père a fait l'erreur de lui dire, va aussi à la convention là. Va seulement apporter les vivres. Quand il arrive là-bas, il trouve un prédicateur qui est en train de raconter des inepties. Et les autres sont là avec les brochures, ils ont la trouille. Il dit, mais attends, moi je peux régler le problème ici. Moi j'ai la solution à ce problème. On dit, oh petit, il faut faire attention. Hein. Vous les jeunes prédicateurs là. Vous êtes trop prétentieux petit, il faut faire attention. Même les anciens là, ça dépasse de tout. Eh, va t'asseoir là-bas. Il dit, ancien, moi j'ai pas de problème avec toi. Mais je sais que moi, je peux résoudre le problème là. On a essayé de lui donner. Saül a mis son habit sur lui. Frère Branham dit qu'il n'a pas pu marcher avec ça. Il dit, laisse-moi cette affaire-là. Moi, je vais venir avec mon expérience à moi. Et quand David est arrivé, Frère Branham dit, il est allé au torrent. Il est allé prendre 5 pierres polies. Pourquoi? Parce que dans le torrent, l'eau vient avec force. Les pierres se frottent les unes contre les autres. C'est ça qui rend les pierres polies. Et quand David a pris 5 pierres qu'il avait dans sa gibecière, on lui dit, petit, comme tu dis que c'est ton tour là, que tu es capable. Donc on ne l'a même pas prévenu. On dit, petit, maintenant là, comme il y a un tour de prédication ce soir là, ou bien ce matin, ou bien ce soir, c'est toi qui vas damer tout à l'heure là. Pourquoi un prédicateur doit toujours être prêt? Avec des pierres dans sa gibecière. Ce n'est pas le prédicateur, quand il arrive quelque part, oh non, il fallait me dire avant, j'allais me préparer. Tu veux préparer quoi, le pondou ou quoi? Un prédicateur doit toujours être prêt. Dès qu'on t'appelle, tu sors seulement les pierres. S'il y a le dépôt, tu ne manqueras pas quoi dire. Partout où tu vas ouvrir la Bible, la prédication va commencer. Amen. David a dit, moi je peux régler ce problème. Et Frère Branham dit que quand David a avancé, au lieu de faire comme Saül qui battait en retraite, mais lui il a avancé. Pourquoi? Parce que David savait qu'il était la parole faite chair. Il savait que la parole était en lui. Il savait qu'il était devenu une Bible.
Frère Branham dit qu'il a eu l'intelligence spirituelle de comprendre que Dieu avait dit « Béni quiconque bénit Israël et maudit quiconque maudit Israël ». Donc sur la base de cette seule citation, pour lui Goliath était déjà vaincu. Ce matin, tu n'as pas besoin de beaucoup de citations. Pour vaincre Goliath, ce matin, tu n'as pas besoin de beaucoup de citations. Ce matin, on va tuer Goliath. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour ça? David a commencé à courir. Frère Madame dit, quand David a commencé à courir, il a entendu une voix qui lui a dit, « David, lance la pierre n'importe où. Moi, Dieu, je vais la diriger. » Et quand David a lancé la pierre, j'ai lu une citation dernièrement. Frère Madame dit que la pierre avait une vitesse de 1600 km la seconde. Donc Dieu lui-même a orienté la pierre et la pierre a pris Goliath là où il fallait. Alors ce matin aussi, dans ta vie, pour ta situation, pour ton cas ce matin, moi je lance la même pierre. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Goliath soit terrassé dans ta vie. Que la maladie soit terrassée dans ta vie. Que les liens ancestraux soient brisés ce matin. Peu importe ce qui t'a tenu captif depuis des années, nous déclarons la fin de cette chose ce matin. Le règne de Goliath est mort ce matin. Nous le décrétons en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Investi du pouvoir de l'autorité divine. Je déclare la fin de tes problèmes ce matin. Sois libéré ce matin. Sois guéri ce matin. Sois élevé ce matin. Sois béni ce matin. Que Dieu te soit favorable. Shalom.